Adam Driver est à l'affiche, ce mercredi 15 juin à 21h sur Canal+, du film Le Dernier Duel aux côtés notamment de Ben Affleck et Matt Damon. Pour l'occasion, Closer vous propose de plonger dans la vie privée de l'acteur américain de 38 ans et de découvrir notamment qui est Joanne Tucker, la femme qui partage sa vie depuis plus de 10 ans. CST en juin 2013 où Adam Driver a épousé celle qu'il avait rencontrée, quelques années plus tôt, sur les bancs d'école de l'Académie dramatique Juilliard. Également comédienne de formation, Joanne Tucker n'a malheureusement pas la même carrière que son mari nommé notamment aux Oscars en 2020 pour Marriage Story avec Scarlett Johansson ou au César en 2022 pour Annette avec Marion Cotillard. Ensemble, Adam Driver et sa femme ont eu un enfant, un petit garçon dont ils préservent férocement la vie privée. Mon travail, c'est d'être comme un espion en public et de vivre ma vie et mes propres expériences. Mais quand c'est toi le centre de l'attention, ça devient vraiment dur, expliquait-il notamment au New Yorker pour expliquer son choix de préserver sa vie de famille. Adam Driver, pourquoi il a dû faire une croix sur l'armée, son premier plan de carrière avant de devenir l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood. Adam Driver avait un rêve, rejoindre l'armée américaine. Mais malheureusement pour lui, et heureusement pour le cinéma international, le mari de Joanne Tucker a dû faire une croix sur cette carrière militaire. Mon objectif était vraiment de servir mon pays à l'étranger. Je ne me suis jamais demandé si cette guerre était bonne ou mauvaise. J'étais un soldat et je devais respecter les ordres. Je me suis entraîné pendant 2 ans et demi pour assumer cette mission. J'étais opérationnel, mais tout s'est écroulé lors d'un accident de vélo où je me suis fracturé le sternum. J'avais convaincu mon bataillon de me déployer malgré la blessure, mais j'ai fini par me blesser encore plus. J'ai donc dû quitter l'armée. C'était dévastateur, expliquait-il, en avril dernier, chez nos confrères de Public.